Chez les voisins guinéens, les organisations s'activent contre l'immigration clandestine. Depuis ce matin, une campagne de sensibilisation et de formation a été lancée à Conakry. Un programme qui devrait permettre de former en entrepreneuriat plus de 4000 migrants de retour au pays. On écoute un formateur au micro de notre correspondant Malik Diakité. Chaque migrant a son projet. Donc, nous les formons sur comment ils vont gérer ces projets. Comment ils pourront les formaliser. La lutte contre la migration clandestine, irrégulière, doit être un combat pour tous. Que ce soit nous, les pays africains, c'est-à-dire les pays d'origine des migrants, que ce soit les pays d'accueil qui sont en Occident, je crois que c'est un combat qui doit être mené en synergie.